Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo 100% gameplay sur Trackmania 2020, le jeu qui est sorti donc aujourd'hui le 1er juillet 2020. Donc je rappelle pour ceux qui viennent de me voir sur YouTube, salut, bonjour à tous, abonnez-vous déjà, commentaire, pouce bleu, vous allez voir que c'est une vidéo totalement cool. Le concept de la vidéo 100% découverte, ça veut dire qu'il n'y a pas de montage, pas d'introduction, pas de outro, c'est vraiment, je lance le logiciel, je découvre le jeu avec vous. On fait une petite partie, tout ça, et puis basta. C'est vraiment pour vous donner un aperçu total de A à Z, du menu à autre chose. Donc, moi, fan de Trackmania, depuis toujours. Grand fan, et donc j'étais impatient d'essayer ce jeu. Enfin, il est sorti, il a été repoussé. Il devait sortir bien avant, mais avec le Covid, tout ça, donc c'était repoussé. Mais voilà, il est enfin là. Donc, version à 0€. Je vous laisse voir sur Internet, hein, 0€, donc gratuit. Après, 10€ par an pour accéder à d'autres choses. Et après, tu as 30€ pour avoir plus de choses et 60€ sur 3 ans. Pour avoir, voilà. Donc, il y a plusieurs paliers. Je trouve ça un peu pourri, leur système d'abonnement. Parce qu'en fait, là, j'ai payé 10€, mais en fait, le jeu, je l'ai que pour... j'ai que ces options d'activer pendant un an. Dans un an, il va falloir que je repaye 10€. Donc, je trouve ça con. Donc, bon, voilà. On va pas se plaindre parce que le jeu est vraiment bien optimisé. Donc là, vous voyez... Donc, je vous laisse voir plus tard tout ce qui est configuration, mais généralement, le jeu est très très bien optimisé, il n'y a aucun souci. Il est en version bêta. Qu'est-ce que j'ai raconté? Non, il est en version finale, de souvenir. Hein. J'ai dit des bêtises, c'est la fatigue. Donc l'interface, tout ça, on ne va pas hyper-gueuler là-dessus, on va vite faire un petit tour du menu. Donc le mode solo, entraînement, summer, donc j'ai vu qu'il y avait voilà, 25 circuits. Moi j'ai déjà fait quelques courses en mode multijoueur donc sur les maps officielles. Circuit duel, donc apparemment tous les jours il va y avoir un circuit choisi et vous allez devoir faire un temps, etc. Débloquer des médailles. On a encore ce département médaille, département d'accord. Donc il y a aussi. Ok, bon, faudra que j'explore tout ça. Les campagnes des clubs. Donc en fait on peut créer un club, on peut fabriquer nos propres maps et les partager. Donc pour créer un club il faut la version à 30€ ou à 60€. Moi j'ai la version à 10€ donc je peux pas. Mais je peux rejoindre. Donc moi ce qui m'a intéressé principalement c'est le live. Donc live ça veut dire en gros multijoueur. Donc pour l'instant vous pouvez faire des modes arcade que j'ai pas essayé. Summer, donc pareil là vous pouvez jouer sur les maps officielles en multijoueur. Donc je suis monté jusqu'à 60 joueurs tout à l'heure, je sais pas c'est quoi le maximum. Donc là on peut voir le nombre de joueurs connectés dans le monde, donc 2862, c'est pas fou. Pour un démarrage tellement attendu, parce que Trackmania c'est quand même, pour moi quand on me dit Trackmania c'est genre, on me dit Quake, on me dit Unreal, c'est mon avis personnel, hein. On dit Counter-Strike, Trackmania, bon ça arrive un peu après, mais pour moi c'est le même délire. Circuit du jour, donc là pareil, 96 joueurs, donc c'est le circuit qu'on a vu tout à l'heure en mode solo, hein, c'est exactement pareil, donc les clubs... Voilà, donc le club Zerator, bien sûr, hein, c'est un jeu français qui a été beaucoup streamé, montré en avant par Zerator. Donc forcément, Zerator fait partie de cette... bienvenue au club, on peut le rejoindre. Voilà, donc faut payer encore plus pour accéder au club. Donc pour l'instant, j'ai pas envie de payer plus. Donc jouer en local, multijoueur local, jouer en circuit, je crois qu'on peut jouer en écran splitté, tout ça, c'est super. Pour jouer avec des potes, donc faut être dans le même délire, hein, Trackmania, donc c'est un jeu de voiture. De précision, d'agilité, de réflexe, donc faut aimer. Mais franchement, il est gratuit, donc vous pouvez essayer. J'ai oublié de le préciser, point 1 très important, il est gratuit sur la plateforme Uplay et Epic Games. Donc actuellement, à l'heure où je fais la vidéo, 21h43, il est uniquement disponible sur Uplay. Epic Games, ils mettent du temps à le sortir, donc, mais il sort sur les deux plateformes. Voilà. Donc Uplay, c'est Ubi, le jeu est Ubi, donc je vous conseille de le prendre sur Ubi. Voilà. C'est plus simple. Donc, ça fera une vidéo plus tard, si vous le voulez, sur l'éditeur de circuit. Mais pour l'instant, on va se focaliser sur le multijoueur. Parce que moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Hein, vous me connaissez. Pour ceux qui connaissent, moi, c'est multi, multi, multi. On va tout de suite rejoindre une petite... on va faire un petit circuit. On va vous montrer un peu tout ça. Donc, je vais vous donner aussi mon avis. Oh, ça commence direct. Donc, attendez. On va baisser un peu le son parce que je pense que c'est un peu fort. Voilà, donc moi, la playlist est magnifique. Donc voilà le nouveau design de la voiture. J'ai pas l'impression que les graphismes soient au maximum. Un nouveau design de la voiture, les vues, voilà. Vues comme d'habitude, hein, la 1, la 2, la 3.
Derrière, on voit mon autre pseudo maintenant, Tom, vous voyez. 44, c'est ma position sur le circuit. Et en bas, on peut voir donc mon compteur. Donc là, je suis à 300, j'étais à 300 km/h. Touche un mur. Donc là, j'ai appuyé sur. Quand vous appuyez sur O, vous pouvez mettre les véhicules. Voilà, donc véhicule, vous appuyez encore sur O, vous l'étiez en moins opaque. Vous appuyez sur le petit 2, le carré, vous pouvez mettre les pseudos. Voilà. Donc moi, je les enlève. D'habitude, j'enlève les véhicules. Hein. Mais bon, là, on va les mettre, ça fait plus fun. Et donc, là, actuellement, on joue uniquement sur les maps officielles. Là, 25, les maps officielles qui vont changer tous les 3 mois. Ça va être des saisons, en fait. Donc, va falloir cartonner. Troisième. Nouvelle médaille de hauteur. Par Nadeo, d'accord, ok. Donc, j'ai fait meilleur que hauteur. Genre, je suis combien, là, en fait? Je suis quatrième. Moi, je suis con, je regarde sur le scoreboard, mais c'est marqué. Quatrième, d'accord. Donc, j'ai pas fait exprès de faire un score apparemment correct, mais... Pas sûr. On va voir. Donc, pareil, donc il y a le fait de pouvoir créer des circuits, de le proposer... en ligne, et les gens en fait vont aléatoirement le tester et vont pouvoir le noter en direct. Donc ça c'est cool, donc de toute façon après ça c'est pas nouveau, hein. Ah mais on va dépasser. Et du coup après il sera mis en avant et vous gagnez en vue, en vision, tout ça. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés. Il y a la glace, il y a la terre battue, donc ça c'est pas nouveau, mais tout a une refonte graphique totale. Merde. Donc c'est agréable, ils ont vraiment fait un truc assez propre. Ah, c'est neuf, et ça c'est plutôt bien, positif en tout cas. Après on verra par la suite. Juste le truc qu'ils ont foiré, c'était leur système d'abonnement. Ça c'est clairement de la merde et je le dis ouvertement. Il y a même toute la communauté sur les forums qui je tape, qui est engueulé par rapport à ça. On va faire une autre map. Je remets la caméra. On va faire une autre map vite fait. Donc 2800 joueurs actuellement, c'est peu. On verra demain, parce que peut-être qu'il y a ceux qui ont travaillé aujourd'hui qui ne peuvent pas vraiment se le procurer. Les trophées, tout ça, je sais pas comment ça fonctionne. Je suis arrivé 5e apparemment, et j'ai pas fait un mauvais score. D'accord, j'ai pas fait un mauvais score. Donc en pensant, il n'y a pas tout qui est sorti, il va y avoir beaucoup de contenu additionnel qui vont venir, en fait ils vont faire beaucoup de mises à jour, mais ça je leur fais confiance. C'est vrai que pour le coup Trackmania fait vraiment du bon suivi, donc il n'y a vraiment pas à être déçu. Le contenu va arriver. Moi ce que j'ai peur c'est sur le long terme. C'est vrai qu'à l'époque Trackmania, A Nation Forever, tout ça, en termes d'e-sport, ça par contre je sais qu'ils vont être à fond dessus. C'est même basé que sur l'e-sport et ça c'est vraiment plaisant. En contenu, j'espère qu'il va vraiment y avoir beaucoup de choses. Donc là, voilà, t'as compris. Vous voyez, donc nouvelle route. Vous voyez un peu les c'est cabossé. Donc ça laisse en fait, ça permet d'entraîner, comment dire, ceux qui vont être à l'aise par rapport aux anciens opus. Bah là, il va falloir qu'ils retravaillent un peu leur timing sur ce truc-là. Je vais essayer de me concentrer un peu. Ah, mais je fais de la merde. Hein. Donc là, je découvre, hein, donc j'ai pas vraiment fait toutes les maps. Et même si je les ai fait. Tac, vous voyez, je suis retourné en arrière. Et quand vous retournez en arrière, regardez. Tac, vous reprenez de la vitesse en fait. C'est pas comme avant où vous commencez au stop sur votre point d'arrêt. Voilà, 24e. 26e, 28e. Médaille de bronze. Donc médaille de merde. Nous, ce qu'il nous faut, c'est l'or. J'écris avec l'accent français. Donc là, ça crash talk déjà. Sur le chat, on va essayer de faire un petit temps correct. Je suis pas très doué. Hein. J'ai une époque où j'étais pas trop mal. Si vous avez des conseils à me donner dans les commentaires, n'hésitez pas. Je suis preneur. En tout cas, moi, ce que j'en pense de ce jeu, si vous attendez mon avis depuis tout à l'heure, parce que c'est vrai que je parle, mais je donne pas mon avis, je kiffe. Je le répète pour une troisième fois, le système d'abonnement, c'est de la merde. Clairement, c'est mal fait, très mal fait. Parce qu'à la limite, voilà. Cinquième, je suis passé cinquième, c'est pas trop mal. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le top 1. Forcément, le top 1, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, je rappelle que déjà pour 10 euros, déjà pour le gratuit, je crois que vous avez déjà accès à beaucoup de choses. Mais je vous conseille de mettre quand même 10 euros si vous êtes vraiment fan de la série.
Ah, c'est pas mal, là, j'ai fait un truc pas mal. C'est pas le truc qui arrive un peu vite. Tac. J'ai pas entendu les klaxons. Ah ouais, je me suis foiré. Ah non, Jackie, qu'est-ce que tu fais? Alors, on va faire un dernier essai. On va terminer la map, hein. De toute façon, on va s'arrêter sur ça. Je vais vous montrer le gameplay un petit peu. Très dynamique. Je tourne à pas mal d'FPS, je vois pas, mais tout à l'heure, j'étais à 200 et quelques. Vraiment pas gourmand, très bien optimisé, ça, il n'y a aucun souci, vous pouvez. Vous avez peur de l'optimisation du jeu, courez le prendre, gratuitement ou payant. C'est compliqué de parler et de jouer en même temps. Mais ça va le faire, on est chaud. On est chaud là-dedans, on est chaud. J'ai freiné, cousin. Mais bon, je suis toujours en bleu, on va essayer de faire un truc bien. Voilà. 9e. Donc, il y a beaucoup de Français, c'est principalement des Français qui jouent. Alors, on va recommencer. Il nous reste 1 minute 56, on va essayer de faire un truc un peu plus propre. Un top 10 au moins. Un top 10, ça serait bien pour la vidéo. Je sais pas si c'est jouable, on verra bien. Je sais pas trop s'il faut faire le full speed, ou enfin si c'est jouable en full speed. Ah, vous voyez, j'essaie de jouer avec le petit rebord pour freiner tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de l'association Balle au cul. Si vous voulez qu'on fasse des parties ensemble, il n'y a pas de souci. Avec un grand plaisir, vous pouvez même payer sur Discord. Tout est dans le lien de... dans la description. Tous les liens dans la description de la vidéo. On va y arriver comme ça. Ouais, pas mal là, comme ça, Jackie. On va y arriver. Freinage. Ouais, pas mal. Là, ici. Là, c'était là que j'ai mon point fort, mon point faible. J'ai réussi à parler un jour. Voilà. Ouais, pas mal. 7e. 7e meilleur score. Je remonte dans le tableau. Attends, je vais essayer de faire un truc. Je suis sûr que là, c'est le début que je pêche. Je pêche pas mal au début. Voilà. C'est pas vraiment qu'une question de vitesse, hein, maintenant. Est-ce que je peux recommencer? Ouais, je vais recommencer une dernière fois. Voilà. Je peux me louper encore une dernière fois, puis je relance, et c'est bon. Voilà, j'ai lâché un peu l'accélérateur. Voilà. Ah, tant pis, j'ai plus le temps. On va tenter le tout pour le tout. Ouais, pas mal, Jackie. Pas mal, j'ai freiné un peu trop. C'était pas mal. Donc là, je vais prendre tout droit. Oh, pff, laisse tomber. Donc, on va se quitter sur cette fin tragédique. En 8e position actuellement, je pense que je vais finir au moins dans les 10 premiers. Voilà. Comme une grosse que schnuckle. Je vous conseille donc ce jeu, que j'attends depuis longtemps. Très bon jeu. Donc il va y avoir beaucoup de choses au niveau de l'e-sport. Je vous conseille de suivre Zerator pour ça. Parce que lui, il est à fond dans le jeu, dans le délire. Donc 8e, je vais gagner des trophées encore, je pense. 2. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, pouce bleu, commentaire. C'était une vidéo 100% gameplay découverte sur Trackmania. Je vous dis à très bientôt. Bisous. Banza.